Heureux. Tiens, d'ailleurs, Shiro, en parlant des films, t'as une plateforme légale où on peut les regarder les films ou pas? J'arrête pas de sauvegarder. Ah! Bah allons-y, c'est parti. Tous dans le... Tu vas où toi? Reviens. Pousse-toi. Allez, encore. Encore, encore. Allez, encore. Allez, encore un petit effort. J'ai presque. Allez. Voilà. Il reste encore un petit creux, mais c'est mieux qu'avant. Oui, je te demandais, tu connais une plateforme légale où on peut voir des films Pokémon? Parce que, à part le premier film Pokémon, j'en ai vu aucun en fait.
Ah, d'accord. C'est toujours ça de prix. Moi sur Netflix, j'avais commencé, j'ai pas fini, j'en suis au combat entre Sacha et Truc que je dois regarder, de Soleil et Lune. J'ai bien aimé cette série, même si j'ai pas encore fini de la regarder. Tout le monde a spoil le fait que Sacha gagne, donc je sais que Sacha gagne, mais... Gladio. Voilà. C'était lui, machin. C'était Gladio. Mais oui, elle est trop bien, la série. Il manque un Ponyta. Ah, c'est bon, il est revenu à sa place. On va attraper des Piaco. Méga Piaco! Piaco! Après, parfois les films sont sur Pokémon TV qui est gratuite, mais en ce moment, je sais pas pourquoi ils n'y sont pas. Par contre, ils ont jusqu'au 11 mars les films avec Arceus. D'accord. Piaco! Il y a le petit Piaco! Puis il y a les Piaco Baron. Piaco! Piaco!
Zanko. Oh, ça c'est dégueulasse. T'as eu deux tours à toi tout seul, pauvre l'amiral. Bon, allez, Pijako. Pijako. Ok, ok, j'ai compris. Sora, Noctali, ça suffit. Et il m'en manque un des gros Pijako là. Je ferais bien l'apparition de Pichu, mais à mon avis, ça va se finir avant qu'on y arrive. J'imagine qu'il n'y aura pas les Pichu. Non, il n'y a pas les Pichu. Thank you.
Une méga apparition. On va retourner ici. Ah, pff. Non, allez, on va là-bas. On va d'abord commencer par Tortipousse. Commence bien. Il y a des fragilédies avec, oh oui! Ah,
fait 24 minutes que mon thé infuse. Je pense qu'il est bon. Je dis ça et je continue à jouer. Elle a un côté très Spyro, cette musique. Pas ce passage-là, mais le passage d'avant, ça faisait très Spyro. Allez, tu fais le tour. Allez. Encore. Allez. Tu fais encore le tour. Non, pas par là. Genre, il m'a donné un coup. Genre, il m'a donné un coup. Ah bah oui, je vais me lancer avec l'amiral au lieu de lancer une Pokéball.
Bon, il est où le dernier Pachirisu là? Ah, ça y est, il a repop. Je savais bien que je finirais par l'avoir. Salopif. Quand même, bon, on n'a pas chômé, hein. Pourquoi?
pourquoi elle est dehors. Mais oui, elle est trop belle. Déjà, sa forme de base, je l'aime énormément. Fragility, c'est un de mes Pokémon préférés, mais dans sa version Hisui, elle est magnifique. On dirait une vraie nymphe des bois. Elle est super belle. Oh, c'était mignon. N'empêche, notre personnage, il est quand même balèze, hein, parce que il court partout dans tous les sens dans la région. Il prend pas de repas, il se repose pas. Et il capture des Pokémon à la chaîne. Moi, je tiendrai pas 2 jours. Oh oui, une méga apparition! C'est parti! À 12 heures. Ouais, je pense que c'est plus le temps aussi que je tiendrai, parce que je fais beaucoup de malaise, donc à mon avis je tiendrai pas longtemps. Qu'est-ce qu'on a en truc mignon? On est récendre. Oui, on va d'abord faire le Krixik. Et on ira chercher Irisandre après.
fort débat de contention. Parce que ça pourrait encore être un autre point commun. Non mais c'est bon, on est prêt pour être des petites grand-mères dans nos plaids. Oh mais arrêtez de vous enfuir là. Et à raconter des trucs sur les jeunes qui sont pas sages, qui font n'importe quoi. Ça se passe horriblement chez les Krixik. Mais Nick. C'est vraiment nul qu'on habite aussi loin l'une de l'autre, franchement. J'ai trop envie de manger des crêpes. J'aurais trop aimé faire une soirée crêpes avec vous. Mais au moins l'avantage c'est que j'étais toujours au bout des doigts vu que je retire jamais ma bague. Ok, calmos. On va s'affronter. D'ailleurs ils ont refait des nouvelles bagues pour Sandalfon, elles sont trop belles. Et elles viennent dans l'eau de... Enfin, il y en a trois différentes. Et les trois sont super belles. Mais ce sera pour une autre année. Dans une autre vie. Pourquoi je peux pas le capturer là? Ouais, c'est clair. Pour trouver ça à la revente, c'est pas évident.
Pokémon là, hein? Oh, tu poses un problème peut-être? Ah, il a eu peur, hein? Là, il a eu peur. Il fait presque les Dalton. Il en manque juste un plus petit ou plus grand. Oh pardon, l'amiral, je voulais pas te pousser. Et plus qu'un. Attention hein, t'es dans le rouge là. Tu te laisses capturer du premier coup hein, sinon j'envoie une grosse attaque. Pas? Approche-toi! Voilà! Pousse-toi un peu, toi! Encore! 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 Voilà! Pousser les Pokémon, c'est mon grand jeu! Il est où le baron?
Ah, c'est le racaillou. Juste devant sa gueule. J'adore me péter les deux jambes. T'arrêtes, Corillon, t'en as marre. T'as le charme chroma? Ou t'as sa page complète? Ah, bon courage. Moi, les shiny que j'ai trouvé, c'était au pif. Mais si jamais j'en vois un, je te l'envoie. Bon, hé, tu triches un petit peu là. Il n'y avait pas un baron dans le coin? Ah si, il est là. Pokéball dans la tronche. Des fois j'y comprends rien. Des fois j'attaque un Pokémon et tout d'un coup il y en a trois autres qui débarquent. Et là j'aurais dû combattre deux Yanma à la fois. Il y en a qu'un seul qui s'est manifesté. Parce que l'autre était littéralement à côté justement. Allez comprendre. Je viens de penser à une connerie. Faut que je la partage. Est-ce que vous connaissez Yanma 1 demi? C'est ça, facile mais efficace.
Y'a des Pokémon dans l'enclos? Oui, y'a de Spectrum! Et il me fait la gueule! Ah, et un truc qui est cool, j'aurais pas besoin de me faire chier avec Serfrousse pour utiliser son attaque puissante plusieurs fois. De sprint bouclier ou un truc comme ça pour qu'il évolue en Serbiville, je crois. J'en ai capturé un au pif dans une horde de Serfrousse. Du coup, pas besoin de me faire chier avec ça. Alors, j'irais bien faire celui-ci. Je me suis pété les deux jambes. Allez, 4 cornèbres baron. Il sait pas où se mettre. Il sait pas où se mettre. Ah ça y est, il a réussi à trouver sa place. Sinon, c'est quand mon tour? Non, parce que là, ça fait un peu 15 fois que vous avez attaqué pour une fois où moi j'ai attaqué, donc... Et ça continue en plus, hein. Bon, faut croire que j'aurais pas le droit d'attaquer avant mon troisième Pokémon. Ah, merci! Je peux enfin faire quelque chose.
Putain, mais comment ils font pour toujours avoir le truc qui fait qui rend faible l'adversaire, franchement? Eh ben dis donc. Et c'est pas fini. Il y en a un autre qui vient de pop. Je l'ai vu. On voit ses yeux rouges à l'écran. Moi, je pensais qu'il y aurait leur évolution qui allait apparaître, pas des cornèbres barons. Ah, ils ont décimé ma team, c'était violent. Ok. Pourquoi pas des marques à crin, tiens. J'aime bien leurs petits yeux cachés sous leurs gros poils. Non, c'est pas vrai, vous m'avez pas vu.
festival de l'Archéomyre. Non, je suis caché, tu me vois pas. Il y en a 4, je sais pas où il est le quatrième, mais ah, on recommence avec un Pokémon qui sait pas où se mettre. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, devant, derrière, au secours. Bah vous êtes passé le mot, dis donc. J'ai lancé le Clamiral et pas une Pokéball, je suis bête. Bah et du coup maintenant tu m'as vu. Et où il est où l'ectoplasma? Allez viens. Au même endroit. Non, ils veulent pas. Moi je l'aime bien l'archiduc d'Issui, il me fait penser au tirailleur comment ça s'appelle lépreux de Mononoke. Ils ont la même style de costume, sauf que lui il a plus de couleurs, mais ils ont des costumes en paille comme ça. Moi je l'aime bien aussi, les trois formes je les aime bien perso.
Bon, ils ont dit que ça allait bientôt se terminer, mais on va quand même tenter... Eh ben non, on tente rien. À un Pokémon, j'étais à 50. Franchement, pas de bol. Je vais à nouveau faire un petit BRB parce que là il faut que j'aille faire une pause pipi parce que tout se tait, c'est bien mais ça donne envie de faire pipi, donc à tout de suite. Et me revoilà. Allez. Et je me suis encore trompée, j'ai appuyé sur A au lieu de B. Opération massive de Gravalanche, ça m'intéresse moyen, donc on va aller sur les plages et on va aller chercher ce Giratina. On est bien là. Shiny! Trop bien! Moi qui espère à chaque fois que je passe par là tomber sur un Shaglam Shiny, mais en fait là j'ai eu un Cornèvre Shiny. Qu'est-ce que tu fais, Sora? Tu arrêtes, ça suffit. Ça suffit. Tu arrêtes. Non. Non. Tu arrêtes.
File de là. Allez. Si t'es sous le bureau pour faire des conneries, tu dégages. Non, parce que j'ai un panier à chien ou à chat sous mon bureau avec un petit plaid dedans, donc ils aiment bien se mettre là-dedans, mais s'ils sauront comment ça faire des conneries là, et à essayer de mâchouiller je ne sais trop quoi, bah ça va pas aller. J'ai oublié de re-switch sur l'amiral. Et ça, les chats, hein. Y'a que Nissé qui a une petite bouille d'amour. Un petit monstre. Bon courage pour ces quelques jours. Je pensais qu'il serait là. Il a peut-être une autre caverne. Il ressemble à quoi, le chat de votre belle-mère? Enfin, de votre, de ta belle-mère, parce que ben, c'est la mère de Doudou, donc il n'y a pas de votre. À moins qu'on se vous voit maintenant. Ah, que coucou. Il s'appelle Harry. La bouille d'ange, le reste c'est pas vraiment ça. C'est comme Sora et Noctalie. C'est des bouilles d'amour, mais c'est des gros chieurs. Mais non, mais je veux pas le vaincre, je veux le capturer, moi. Nissi, elle est mignonne et tranquille.